Et toi, personnellement, est-ce que la réunion d'aujourd'hui t'a impacté? Oui, ouais, ça m'a vraiment impacté. Alors, le projet Intellimène aujourd'hui pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à participer à ce projet, j'ai changé mon caractère, j'ai une autre vision, une autre pensée, et c'est en train de changer ma vie. La réunion Intellimène, qui s'est déroulée le 31 mai 2015, a eu pour thème l'impact. Chaque homme peut avoir un impact positif ou négatif sur le milieu dans lequel il vit. Être un homme d'impact, vous êtes déjà un homme d'impact. Tout va dépendre de quel côté vous allez être. Ou vous allez créer un impact, ou vous allez le souffrir, ou vous allez le subir. Et c'est vous qui prenez cette décision. C'est vous. Vous êtes en train de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui ne se décident pas? Ils ont envie à l'intérieur de faire les choses. Ils ont envie. Ils ont le désir. C'est comme on parlait l'autre jour. Parfois, le désir est là, la force, elle est où? Elle est au niveau inférieur. Ils veulent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'engagent pas? À cause de l'impact des choses qui existent autour d'eux. Dans ce monde, il y a ceux qui créent les impacts, il y a ceux qui les subissent. Bonjour Trésor, qu'as-tu pensé de la réunion d'aujourd'hui d'Intellimène? En fait, j'ai pensé que c'était un peu différent par rapport aux autres réunions qu'on fait d'habitude, parce que d'habitude c'est un peu plus pour présenter aux jeunes qui sont nouveaux les réunions Intellimène. Et là, en fait, le message il était plus fort comparé à d'habitude. C'était plus pour prendre une décision par rapport à soi-même, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié aujourd'hui. Le message il était très fort, en fait. Et là, c'est moi qui veux devenir l'impact maintenant. Et ça m'a permis de prendre une décision d'être l'impact aujourd'hui. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Alors, la réunion d'aujourd'hui, elle était vraiment très très intéressante. Parce que c'est vrai que pour nous en tant qu'hommes, notre objectif en fait c'est d'être différent. Parce que j'imagine qu'il n'y a aucun homme qui veut être comme tout le monde, qui veut être banal. Et la réunion d'aujourd'hui justement c'était ça, c'était faire l'impact dans notre entourage. Pas seulement dans notre entourage mais même partout où on va en fait. Faire une différence par rapport à notre attitude, par rapport à notre comportement, à notre façon de penser, d'agir. Et ça m'a vraiment moi apporté personnellement parce que on ne peut pas vivre sous l'influence des gens. Sinon on ne vit pas et c'était ça le enfin ça m'a parlé à moi comme ça, c'est qu'il faut vraiment prendre les attitudes, aller de l'avant et nous faire cette différence positive, pas négative mais positive sur les autres. Et toi personnellement, est-ce que la réunion d'aujourd'hui t'a impacté? Oui, ouais, ça m'a vraiment impacté parce que c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, c'est le but c'est de faire une différence et moi mon objectif c'est ça. C'est d'être quelqu'un de différent parce que je fais pas partie du projet Intellimène pour être pareil, pour ressortir de la même façon dont je suis rentré. Et là, aujourd'hui, c'était ça. C'est même le projet, faire un impact sur moi, sur ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de penser. Et donc, oui, ça m'a beaucoup parlé. Joseph, qu'as-tu pensé justement de la réunion d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui était basée sur l'impact et ça a été un impact fort pour moi aujourd'hui, pour tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, toutes les paroles que j'ai reçues a vraiment impacté parce que ça parle vraiment sur toutes les sphères de la vie. Donc, voilà, qu'on peut rencontrer. Alors ce qui m'a réellement impacté aujourd'hui, c'est par rapport à moi, c'est par rapport au travail, que les impacts qu'on pourrait avoir au travail surtout. Et ne pas être influencé par ce qu'on pourrait avoir au travail. Bon, dans mon cas, ce serait avoir des clans de médiocrité, tout ça, et être l'influence et ne pas être influencé. Voilà. Qu'attends-tu de la prochaine réunion? J'attends un nouveau message encore plus percutant. C'est ce que j'attends de la prochaine réunion. Alors, ce que j'attends, c'est de recevoir encore d'autres conseils, des choses qui peuvent encore me rendre encore meilleur, surtout, et dans toutes les sphères de ma vie. Voilà, c'est ce que j'attends.